La particularité ici, c'est qu'on essaie de développer un projet de sensibilisation auprès des éleveurs pour augmenter la qualité des cuirs, qui est un gros défaut en France aujourd'hui, puisqu'on ne rémunère pas l'éleveur pour sa peau. Donc aujourd'hui, il ne fait pas forcément attention, il n'a pas forcément la formation pour faire attention. Donc aujourd'hui, on leur demande de remplacer leur clôture barbelée par du fil lisse et de faire attention dans l'aspect parasitaire, traiter les animaux contre les poux et la teigne, qui sont les défauts les plus importants que l'on voit sur le cuir, et faire attention dans les bâtiments, au niveau des blessures qu'ils peuvent avoir avec des clous qui dépassent lorsqu'ils rentrent dans les contentions, dans les bâtiments l'hiver. Alors sachant que le projet demande à l'éleveur énormément d'efforts, on a réussi à trouver des financements dans le cadre du conseil régional, conseil général et des fonds européens via le leader du Périgord vert, pour les aider à financer le changement des clôtures barbelées en clôtures fil lisse. Et on a d'autres points de financement, comme les aides pour les aider à faire attention à l'aspect parasitaire de la peau auprès des laboratoires qui sont prêts à baisser les prix pour partager ce projet avec nous. Et donc voilà, le but c'est d'aider l'éleveur à rentrer dans le projet au maximum en lui baissant les coûts et faire en sorte qu'il soit rémunéré à la fin sur sa peau.